Bonjour tout le monde, you are now listening to French in 5 Minutes, short stories in slow French for beginners and intermediate learners. If you want to get the most out of each episode, don't forget that you can download the transcript for free on my website www.frenchin5minutes.com With that being said, let's get started. Bonjour tout le monde. In today's episode, I'm going to tell you a story about the weather. How to talk about the weather in French. So first things first, I'm going to tell you the story. But before that, make sure that you have the transcript of the episode so you can get the most out of it. Each transcript are available for free on my website frenchin5minutes.com. So make sure that you download it and get back to the episode. With that being said, let's get started. Cette année, l'hiver a été tellement chaud que nous ne l'avons même pas ressenti ici à Paris. Quand j'étais plus jeune, il faisait froid l'hiver. J'avais les doigts gelés et mon meilleur ami Paul se plaignait tout le temps qu'il faisait un froid de canard. Les températures tombaient souvent sous les zéro degrés Celsius. Elles variaient entre moins neuf. Et moins huit degrés, les jours les plus froids. Parfois, lorsque nous avions de la chance, il neigeait. Vous vous en rendez compte? De la neige en hiver. C'est presque devenu un luxe, ces temps-ci. La neige faisait le bonheur des uns, tandis qu'elle faisait le malheur des autres. En effet, les enfants s'amusaient comme des fous sous la neige. Ils couraient, faisaient des batailles de boules de neige, et construisaient aussi des petits bonhommes de neige. Mais tout ça, j'ai bien l'impression que c'est fini. En tout cas, ici, en région, Parisienne. De nos jours, les saisons ont changé. Les hivers sont plus doux, il arrive qu'il neige parfois, mais ça ne dure jamais bien longtemps. En général, la neige fond en à peine quelques heures. Les étés, quant à eux, sont encore plus chauds. L'été dernier, nous avons atteint des pics de chaleur extrême. Plus de 40 degrés certains après-midi. C'était la canicule. Il faisait une chaleur étouffante. Et il était même assez dangereux pour les personnes les plus fragiles de sortir de chez elles. Ma saison préférée reste le printemps. Au printemps, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Et on peut se balader dans les rues décorées de belles fleurs. La saison que j'aime le moins, c'est l'automne. La pluie ainsi que les feuilles mortes me dépriment vraiment beaucoup. Okay, so that's it for the story. Now let's analyze the key phrases. I've highlighted 14 of them. So, let's get started. But before that, make sure that you have the transcript on my website. It is free. You can download it and get the most out of this episode. The transcript is available on 3w.frenchin5minutes.com. So let's get back to it. Quand j'étais plus jeune, il faisait froid l'hiver. Il fait froid. It is cold. It is cold. Il faisait très froid. It was very cold. L'hiver means winter in English. Hiver in French. Winter in English. Il faisait un froid de canard a froid de canard which uh, if you, you translate it literally in english it would mean uh, as cold as a duck which is, it doesn't make sense in english but this is because it is a french um, expression a froid de canard it just means that it is very 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 cold if you hear someone saying Ah, il fait un froid de canard ici. It means that it is very, very cold. So that was the two first key phrases. The third one is la neige. La neige. In French, in English, it is snow. Snow. Fourth key phrase. Bataille de boules de neige. Bataille de boules de neige. It means snowball fight. Snowball fight. Now the fifth key phrase. Des petits bonhommes de neige. Des petits bonhommes de neige. Little snowmen. Little snowmen. Les saisons. Les saisons. Seasons. Seasons. Les saisons ont changé. Seasons have changed. Seasons have changed. Les hivers sont plus doux. Les hivers sont plus doux. Winters are murder. Murder, milder. I don't know how you pronounce it. Murder, milder it means that uh, winters are just warmer. les hivers sont plus doux. warmer, warmer. les étés. in french, summer is translated by été. 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 des pics de chaleur extrême. des pics de chaleur extrême de chaleur extrême is extreme heat peaks extreme heat peaks la canicule it means an extreme heat wave heat wave la canicule une chaleur étouffante étouffante it means That it is so hot that you can barely breathe. Une chaleur étouffante. So hot that it prevents you from breathing. Le printemps. Le printemps. Spring in English. Spring. And the last one. L'automne. Fall. Fall. so for the four seasons you have summer été winter hiver spring printemps and fall automne l'épisode d'aujourd'hui est à présent terminé i hope you've enjoyed it if you want to support me you can subscribe to my youtube channel french in five minutes Or you can simply give me a review wherever you are listening to that podcast. Wherever it is Spotify, Apple Podcasts, Stitcher or whatever. If you want more podcasts like this one, you can keep listening to mine. They are everywhere on the internet and on YouTube. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut, au revoir, bye bye.